Aujourd'hui, nous allons parler du croissant fertile. Le croissant fertile est une expression désignant une région du Proche-Orient, ce que l'on appelle à l'époque la région de l'Orient ancien, c'est-à-dire la région à l'est de l'Europe, formée d'une bande de terre cultivable grâce à un climat chaud et à la présence de nombreux grands cours d'eau nés dans les régions montagneuses proches. C'est dans cette région qu'est apparue l'agriculture et l'élevage vers moins 10 000 ans avant Jésus-Christ. C'est donc dans cet espace que le néolithique est né, c'est-à-dire la sédentarisation des hommes et la naissance des premiers villages, des premières villes et donc des premiers royaumes organisés. Dans cet espace qui est entouré de mer, on va retrouver à l'ouest de cet espace la mer Méditerranée, au sud-sud-ouest la mer Rouge, au sud-est le golfe Persique et enfin au nord, au nord-est, la mer Caspienne. Ce territoire fertile est composé de nombreux grands fleuves qui apportent donc cette eau nécessaire à la plante et aux animaux, et donc à la vie des hommes. On va retrouver au sud-sud-ouest de cet espace le fleuve africain qui s'appelle le Nil. Et puis, un peu plus au nord, on va retrouver le Tigre et l'Euphrate. Cet espace, que l'on appelle le croissant fertile, est composé essentiellement de deux grandes régions. L'Égypte, sur le continent africain, et la Mésopotamie, sur le continent asiatique. Cette région du croissant fertile, dans cette région, on va naître de grandes villes. En Égypte, des villes comme Memphis, ou en Mésopotamie, des villes comme Ur, Babylone ou Marie. Donc, dans cet espace, composé de l'Égypte et de la Mésopotamie, cet espace va voir naître de l'agriculture et l'élevage par ces hommes qui vont se sédentariser dans cet espace-là et que l'on peut voir ici en couleur verte. Dans la région du croissant fertile, donc, les villages vont grossir et devenir des villes. Ces premières villes apparaissent entre le 4e et le 3e millénaire avant Jésus-Christ, donc en Égypte et en Mésopotamie, c'est-à-dire dans l'Orient ancien. Ur devient ainsi une des plus grandes cités de Mésopotamie, une des plus grandes cités du monde à cette époque. La première grande cité de l'histoire.